Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. Le mercredi 23 août 2023 dernier était pour les habitants de Tempé à Bomekalavi, un mercredi noir. Une douzaine de maisons ont été broyées sur décision de justice. Un mois après ce drame, quelle est la situation actuelle des sinistrés? On va le savoir dans ce 13h au Bénin. Et puis ensuite, la liberté des journalistes a fortement diminué ces dernières années au Bénin. C'est le point phare du rapport 2023 de Reporters sans frontières spécifique au Bénin. Le document publié récemment par l'organisation non gouvernementale internationale œuvrant pour la liberté de la presse pointe du doigt la viabilité des entreprises de presse. Les détails de ce rapport sont à suivre dans un instant. Et puis ensuite, Djougou a célébré ce samedi la fête de la Gani édition 2023. Tout a démarré par le traditionnel parcours rituel de Sa Majesté Issifou Pétoni Koda VI, roi de Djougou. L'acte 2 de cette célébration est marqué par les manifestations folkloriques, lesquelles en manifestation ont mobilisé les populations et les garants de la tradition autour de Sa Majesté le Roi. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Le mercredi 23 août 2023 dernier était pour les habitants de Tempé à Bomekalavi un mercredi noir. Une douzaine de maisons ont été broyées sur décision de justice. Un mois après ce drame, quelle est la situation actuelle des sinistrés? Une équipe de la rédaction est repartie sur le terrain et voici le constat. Plus de 30 jours sont passés depuis ce mercredi sombre à Tempé Parana, dans la commune d'Abomekalavi. Pourtant, la douleur et l'émoi restent dans le cœur des sinistrés. Devenus des sans-domicile fixe depuis ce drame, les victimes sont demeurées sur les lieux, dans des abris de fortune, ce qui ne serait pas du goût de la partie adverse. Il est assez convocation, c'est d'eau. Il est assez convocation de la commissariat. Et là, il a conseillé. Bon, il y a des convocations, Toutefois, selon les représentants de l'association du développement de Tempé, une issue avait été trouvée au contentieux grâce à l'intervention du conseil consultatif foncier. Première intervention, ils nous ont écoutés, ils ont eu les dossiers, les ont examinés. Après avoir examiné, ils nous ont reconvoqués, cette fois-ci avec tous les propriétaires terriens, pour leur dire la décision finale. C'est-à-dire que le domaine sera déclaré d'utilité publique, c'est l'État qui doit gérer. Va faire face aux deux citoyens qui sont les acquéreurs, qui sont aussi les propriétaires. Donc, nous étions tous contents, heureux. Mais cette convocation du commissariat semble avoir éteint cette lueur d'espoir dans le cœur des sinistrés. Au dire du président de l'association, les autorités locales ne sont pas informées de la convocation qui leur a été adressée. Dans un même esprit, avec ses voisins, il implore l'indulgence du gouvernement. Mais il y a un groupe de personnes qui sont ceux qui ont convoqué dans cette affaire. C'est parce que quelque part, lorsqu'ils ont cassé, la loi n'a pas été respectée. Donc c'est comme si nous sommes dans un pays où il y a fonctionnement à double vitesse. Nous appelons à la responsabilisation des responsables à différents niveaux pour qu'ils fassent exécuter ou respecter la loi.
do hosuri do to onu o mi de tun a hosuri fi mi la hosuri ro ni wa logo nu mi ni wa yi mi sin me ni le si emi de do ya san mi we wa se mi lo me we mi de lo mi lo fi don chiro mi ho we we ti volu mi chi e ka kura tan sin mi we a hosuri to me bona gbo we o ndi ndo mo eh. Pour rappel, des bulldozers avec l'appui des forces de l'ordre ont investi le mercredi 23 août le quartier Tankpé de la commune d'Abomey-Calavi et ont sur leur passage cassé une douzaine de maisons, laissant des propriétaires au soir de leur vie à la rue avec leur famille. Je voulais annoncer en titre, Djougou a célébré ce samedi la fête de la Gani édition 2023. Tout a démarré par le traditionnel parcours rituel de Sa Majesté Sifou Petoni Koda VI, roi de Djougou, Alassane Arounan, Aboussa Birtsou, nous donne ici les détails sur ce parcours rituel fait de plusieurs stations. Ambiance toute particulière à la cour du palais royal de Kilir. Ce samedi 30 septembre, c'est le jour de la célébration de la Gani à Djougou, cité des Petoni, Atakora et Nyora. L'instant des préparatifs dans une discrétion totale et Sa Majesté Issifou Petoni Koda VI fait son apparition en public. À 10h53, il entame le parcours rituel comme l'exige la tradition en de pareilles circonstances. Cette année, tout comme à la précédente édition, Sa Majesté exécute la procession traditionnelle à bord d'un véhicule soigneusement protégé par les chasseurs traditionnels. Cette sortie du roi prend l'allure des réjouissances populaires à travers la cité princière. Au son des tam-tams, les participants à cette fête traditionnelle, encore appelée Mauloud, manifestent leur joie et leur fierté d'appartenir à cette communauté. Au cours de ce périple sacré, les différentes familles princières et autres sont visitées par le roi. À chaque étape, tout un cérémonial est observé pour accueillir dignement l'hôte du jour. Des prières de bénédiction sont dites et des vœux formulés à l'endroit du roi qui perpétue ainsi une tradition ancestrale. Nous sommes en train de faire le parcours rituel. Donc, la première étape, c'est le quartier d'Indiré-Béry. Avant, c'était à la place Idi. Maintenant, les offrandes qu'on faisait là-bas, on ne fait plus et c'est à la place d'Indiré-Béry. Dans toutes ces étapes, c'est la prière et la bénédiction que les alphas font à Sa Majesté Petoni Koda VI pour lui souhaiter longue vie et qu'il fait la fête Saint-Youssouf et que les étrangers après retournent au sein de leur famille. À la fin de chaque station, des coups de détonation sont exécutés par des chasseurs traditionnels. Partout où le cortège royal est passé, c'est l'attraction et l'admiration dans le rang des populations. Après plus de 2 heures de parcours, Sa Majesté, toujours accompagnée par la cavalerie et une foule anonyme,
regagne son palais pour entamer d'autres préparatifs avant de rallier la place de la Gani pour les manifestations folkloriques. Mais justement, pour être plus complet, l'acte 2 de cette célébration est marqué par les manifestations folkloriques, lesquelles manifestations ont mobilisé les populations et les garants de la tradition. Autour de Sa Majesté et Pétouni, on retrouve à nouveau Alassane Arounan, Abdou Sabi Trissou. Après son parcours rituel, Sa Majesté Issifou Pétouni Kodassis s'est rendue sur cette légendaire place de Kilir. Fortement entouré des sages, notables et garants de la tradition de la commune de Djougou. Et d'ailleurs, Sa Majesté entend ainsi poursuivre la célébration de la fête de la Gani, une fête culturelle et identitaire qui mobilise chaque année les filles et fils de Djougou autour de la célébration de leur culture. Sa Majesté Pétouni Kodassis est heureux de vous recevoir à cette occasion pour fêter ensemble avec lui la fête de la Gani. La Gani, pour nous, est un événement culturel qui réussit chaque année à réunir les filles et les fils de Djougou et d'ailleurs. Très attaché aux valeurs culturelles de sa commune, l'honorable Abdul Malik a porté la voix des autres députés de la 13e circonscription électorale. Que dire si ce n'est témoigner la reconnaissance de toute la population ici présente à Madame la vice-présidente qui a accepté de venir jusqu'à Djougou commémorer avec les populations de Djougou cette fête culturelle. Madame la vice-présidente, vous êtes venue, vous avez touché la réalité du doigt, comme on le dit. J'espère que vous serez les porte-paroles des populations de Djougou pour que l'État béninois puisse mieux nous aider à faire de cette esplanade de la Gani de Djougou quelque chose de mieux potable et qui puisse être digne d'accueillir des personnalités comme vous. Je ne doute pas qu'une fois que vous serez retourné à Cotonou, vous transmettrez le plaidoyer de Sa Majesté et des fils de Djougou pour que le gouvernement pense à faire de notre arène quelque chose d'acceptable. Moment de retrouvailles et de brassage entre les différentes communautés. Cette fête est aussi une occasion privilégiée pour révéler au Bénin et au monde les riches potentialités culturelles dont regorge Djougou. C'est un rendez-vous annuel auquel nous sommes particulièrement attachés. Ah, quel beau patrimoine culturel! Regardez un peu autour de vous, vous verrez la manifestation de l'art, de la culture. Ce grand rassemblement témoigne combien les fils et les filles de Djougou sont attachés à la ville et à sa culture. J'aimerais de ce fait féliciter Sa Majesté Pétouni Kodassis, roi de Djougou, qui a su faire de la Gani une véritable réussite. La vice-présidente de la République est l'invitée spéciale du roi de Djougou. Après avoir assisté aux différentes démonstrations des différents groupes culturels, Mariam Talata Zimé a salué l'engagement du roi qui œuvre pour la préservation et la valorisation de la culture Yom. C'est le lieu pour moi de remercier Sa Majesté Pétouni Kodassis pour l'organisation de cette Gani et pour la promotion de la culture du peuple Yom. J'ai écouté avec beaucoup d'attention le message du député représentant des autres députés de la 13e circonscription relative à ce lieu de culture, relative plutôt à l'aménagement de cet espace. Je crois que j'ai bien entendu son message et que je le porterai à qui de droit.
Djougou, en effet, mérite mieux. La fin de cette célébration est marquée par l'allégeance faite au roi. Et puis à la fin des différentes riches manifestations, les autorités à divers niveaux ont donné leurs impressions. On les écoute. Un sentiment de joie, de fierté surtout, de pouvoir assister à cette fête culturelle et culturelle. C'est une fête qui représente l'unité, la solidarité de toutes les familles vivant ici à Djougou, sans distinction de caste, de race et de culture d'ailleurs, puisque ici c'est la réunion de plusieurs cultures. Cette année est également particulière, puisque nous avons un invité de marque, la vice-présidente, à honorer de sa présence et rehausser de sa présence cette fête-là. C'est pour vous dire que la Ghana fait partie du patrimoine culturel du Bénin, puisque nous avons ici une haute personnalité, une des plus hautes personnalités du Bénin, ici même, à la personne de la vice-présidence. Nous remercions très sincèrement le président Patrice Talon pour l'honneur qu'il nous fait également de participer à cette côté à la construction du pays. C'est un sentiment de joie et de fierté parce que nous célébrons notre culture et comme l'a dit la vice-présidente, un peuple sans culture, vraiment, c'est pas une armée sans armes. Donc c'est une fierté aujourd'hui de participer à cette fête en tant qu'élu du peuple. Je participe à cette gagne avec beaucoup d'émotion, de joie, de voir que tout Djougou, toute la 13e circonscription est unie autour de cette fête-là et exprimer leur joie et leur volonté de voir Djougou aller plus loin et de voir tous les fils et filles de notre commune plus unis. Vous constatez aussi la présence de la vice-présidente parmi nous. Cela prouve combien de fois notre Ghani, notre fête de la Ghani est très appréciée, considérée et prise en compte par le chef de l'État au haut niveau. Nous le remercions également de nous avoir fait honneur d'envoyer la vice-présidente le représenter. Je fais partie de ceux-là qui ont œuvré pour que la Ghani soit une réalité. Donc ma fierté doit être encore plus grande qu'aujourd'hui. Je vois tout ce monde. Alors qu'à l'époque, il y avait 10 ou 15 ou 20 personnes, nous qui nous mettions autour de l'organisation, on nous prenait pour des sans-travail, des désœuvrés. La liberté des journalistes a fortement diminué ces dernières années au Bénin. C'est le point phare du rapport 2023 de Reporters sans frontières spécifique au Bénin. Le document publié récemment par l'organisation non gouvernementale internationale œuvrant pour la liberté de presse pointe du doigt la viabilité des entreprises de presse. William Cliquant pour les détails. 112e au plan mondial, le Bénin dispose d'un paysage médiatique diversifié, mais marqué par l'absence de grandes entreprises de presse viables selon le rapport de RSF. Après avoir situé le contexte politique, le document relève quelques raisons motivant le recul de la liberté de presse dont il fait mention. La télévision publique est contrainte de relayer la communication du régime alors que les médias proches de l'opposition sont soumis à de fortes pressions, dit-il le rapport. De nombreux médias s'abstiennent de critiquer ouvertement le gouvernement afin d'éviter la fermeture par la HAC, ajoute Reporters sans frontières au titre des mobiles pouvant justifier le classement du Bénin. Les autorités influencent également le traitement de l'information au travers de contrats dits de partenariat qui permettent aux médias d'être rémunérés pour couvrir les activités du gouvernement, relève également ce document sur l'état des lieux de la liberté de presse. RSF voit aussi au Bénin des notes de cadrage indiquant aux rédactions les angles à privilégier. En dehors du contexte politique, le cadre légal avec le code du numérique et le contexte économique marqué par l'étroitesse du marché publicitaire sont les autres raisons évoquées dans le rapport de l'Organisation non gouvernementale internationale. Elle ajoute également le contexte sécuritaire, marqué par la dégradation de la situation au nord du Bénin,
avec les attaques armées qui ont lieu ces dernières années. Dans la suite de cette édition, la direction du parc national de la plaine d'Yari a initié en faveur des orphelins et enfants en situation difficile des 5 communes riveraines du parc de la plaine d'Yari une cérémonie de remise de kits scolaires et des tables bancs. L'objectif d'un tel acte que pose chaque année cette direction est d'aider les enfants à effectuer une bonne rentrée académique 2023-2024 afin de préparer la relève. Reportage de Régis Hippolyte Agosso. Des tables bancs. Et kit scolaire offert ce jeudi 28 septembre 2023 par African Parks dans les communes riveraines du parc de la plaine d'Yari. Au collège d'enseignement général 1 de Tanguetta, ce sont 40 tables bancs qui viennent soulager administration et apprenants. La remise des 40 tables bancs au CG1 de Tanguetta fait suite à une demande qui a été formulée par ce CG. Qui a été adressé à la direction du parc national de la plaine d'Yari. Et la direction du parc, dans sa logique d'améliorer le système éducatif, a répondu favorablement à cette doléance. Nous avons eu 40 tables bancs. 40 tables bancs vont servir à 80 élèves. Je leur dis un grand merci. Parce qu'ils ont fait un gros effort. 40 tables bancs, je vous remercie. Vraiment, c'est très bon. Après cet acte qui impactera à coup sûr ce collège, une centaine d'orphelins, mais travailleurs, des 5 communes autour du parc de la plaine d'Yari, à savoir Tanguetta, Materi, Kouandé, Kérou et Banikwara, ont reçu des kits scolaires pour cette rentrée académique 2023-2024. Et cette activité qui a été organisée à plusieurs endroits ce jour a concerné les communes riveraines du parc. Je tiens à préciser que ces enfants-là vivent dans les villages riverains du parc. Donc, ils ont été recensés en tenant compte des critères ci-après. Que les enfants sont orphelins de père ou de mère ou des deux parents, ou bien les enfants sont dans une situation de vulnérabilité vraiment poussée. Une action de générosité qui répond aux objectifs de la direction du parc de la plaine d'Yari qui chaque année fait œuvre utile dans cette zone. Nous les remercions beaucoup pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Que Dieu les bénisse. Et nous promettons de travailler tout au long de l'année scolaire. On tient sincèrement à remercier African Park qui, depuis son avènement, n'a jamais cessé de soutenir nos communautés dans tous les sens. Et particulièrement l'éducation qui est pour nous le pilier du développement et de l'avenir de la jeunesse. Le geste que vous venez de faire, que l'African Park vient de faire, un geste inoubliable. C'est le moment pour nous d'exhorter vraiment les apprenants et surtout les parents des bénéficiaires qui sont ici présents à vraiment redoubler d'efforts pour que cette édition ne s'arrête pas là. La direction du parc de la plaine d'Yari entend toujours répondre à ces objectifs devenus une exigence. Voilà pourquoi les récipiendaires ont promis de faire bon usage de tout ce qu'ils ont reçu. Et pour finir, prévu normalement pour être célébré depuis 2020 et reporté pour raison de Covid-19, c'est finalement ce samedi que les frères de l'ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu ont commémoré le cinquantenaire de création de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tanguetta. Une célébration qui a connu la présence des personnalités politico-administratives, religieuses et surtout la grande famille des malades et des populations de la Takoura. À l'occasion, le nouveau bâtiment qui abritera désormais le service des urgences dans cet hôpital de référence a été inaugurée. Voici les images. Une célébration eucharistique empreinte de solennité pour commémorer le cinquantenaire en différé de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tanguetta. Oui, c'est un jubilé en différé, mais qui reste intact. Célébrer le jubilé de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, c'est célébrer bien sûr la présence des frères
de Saint-Jean de Dieu dans cette maison depuis 50 ans. Cette célébration est avant tout une action de grâce au Père Tout-Puissant qui a permis à cette œuvre missionnaire de faire un chemin de vie riche et humanisante. C'est donc depuis 1970 que cet hôpital accueille des malades de tout genre, avec pour vocation de les servir sans distinction de religion, de race et de nation, en collaboration avec les sœurs théatines de l'Immaculée Conception. 50 ans de joie, mais aussi de peine. En 50 ans, beaucoup de choses se sont passées. Beaucoup de malades ont été soignés. Beaucoup d'enfants sont nés ici dans cet hôpital, dans cette maison de Dieu. Il y a aussi des moments durs et difficiles que l'hôpital a traversés. Mais nous sommes néanmoins ici aujourd'hui pour célébrer 50 ans de présence parce que l'Ordre a toujours voulu servir et accompagner ce peuple, même dans les moments les plus difficiles. À ce jubilé d'or, évêques, prêtres, frères et sœurs religieux, acteurs politiques et la grande famille des malades nationaux et internationaux qui ne manquent pas de gratitude envers cet hôpital de grande référence. Nos vives félicitations pour l'œuvre qui se déploie dans cet hôpital, qui est comme le fleuron de tous les hôpitaux d'obédience chrétienne catholique. Nous en sommes vraiment fiers et nous souhaiterions que cette fierté puisse perdurer, non pas par les renommées, mais par les faits. L'hôpital Saint-Jean de Dieu de Tanguita est une chance pour le Bénin. Et le gouvernement, comme il le fait déjà, continuera à lui apporter son soutien sous diverses formes. Évoquer l'hôpital Saint-Jean de Dieu de Tanguita, c'est penser au frère docteur Florent Priuli vieillissant, mais qui se souvient du drame de Porga? Le drame de Porga a été celui qui a déclenché la confiance à notre hôpital, qui nous a permis, sur 124 brûlés, d'en sauver 24. 24 dont certains ont fait un an d'hôpital et plusieurs dizaines de séances au bloc opératoire. Plusieurs années sont passées et l'hôpital Saint-Jean de Dieu de Tanguita continue de faire parler de lui dans le monde entier. À la célébration de ce jubilé d'or, une levée de fonds a été lancée pour l'achat de quelques lits et matelas. À l'occasion, un nouveau service des urgences a été inauguré. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité au programme de Canal 3 Télévision. À 16h, votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque là, portez-vous bien et à très bientôt.